Je m'appelle Ajap Bernard Ategua, artiste plasticien camerounais qui vit et travaille à Douala. Tu vois, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants qui n'ont pas de moyens soit de payer la scolarité. Eux, ils se battent à eux-mêmes pour payer les scolarités. Voilà. Et on trouve ces enfants-là pleins au Cameroun. Beaucoup parmi eux vendent de l'eau, attendent de l'eau glacée, font des petits commerces dans le marché. Tu le vois, il avait une pousse avec plein de marchandises à côté de lui. Qu'il doit porter tout ça pour qu'on le paye. Le tableau est assez vide. Tu vois, c'est quelqu'un qui se bat seul. Et tu vois, il n'y a personne autour de lui. Il n'y a que lui et son marchandise. Et c'est ça donc son avenir. Lui, il est un peu comme mon histoire. Parce que j'étais un pousseur de quartier, que quand il y a les mamans qui partent au marché, ils me disent que bon, ben, peut-être même à 14h ou à 15h, il faut venir me chercher au marché avec le pouce. Bon, je faisais des petits boulots comme ça pour ensuite payer la peinture, pour plus peindre. C'est l'une des meilleures toiles que j'ai déjà fait dans ma vie. Ça vient aussi pour critiquer la société qui ne prend pas charge de ces enfants orphelins, de ces enfants qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Et en même temps aussi, ça vient aussi pour rendre hommage, tu vois, aux enfants qui vivent cette situation que je peux.